Oh mon Dieu, c'est pour nous battre bravo à tout le monde, oh mon Dieu. Yes. Yes. Je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de main pour nous battre bravo pour pas gagner. Lors de nous battre bravo, oh mon Dieu. Sœur Marc Frémio, un jour, tant qu'aujourd'hui, ça fait 750 l'année déjà. 750 l'année. T'es gagné un grand professeur de théologie du nom de Maître Eckhart. Maître Eckhart, c'était un théologien qui était sorti dans l'ordre des Dominicains. Et voilà, Nexa, Maître Eckhart, c'était un grand théologien et qui était un contemporain de François d'Assise. Et voilà, il racontait un jour, gagné un nègre qui vient côté théologien ça. Il posait une simple question. Il dit, mais que fait Dieu dans le ciel? Que fait Dieu dans le ciel? Qui sa bon Dieu a réglé dans le ciel là? What is God doing in heaven? It was 750 years. That young man approached that great theologian by the name of Eckhart and asked him that fundamental question. What is God doing in heaven when there are so many people dying of hunger? What is God doing in heaven when there are so many poor in the world? What is God doing in heaven when so many people are dying because of the wars? Because of all the pandemics. What is God doing? Qui ça, bon Dieu a fait pendant aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans les périphéries sociales? Qui ça, bon Dieu a fait dans le ciel là pendant que les gens mourent de grand goût? Qui ça, bon Dieu, a réglé pendant nous, la nature a dévoré petit Lio? Et aujourd'hui, nous sommes capables de poser la même question. Ça. Qui ça, bon Dieu, a fait pendant aujourd'hui, nous gardons dans notre propre pays, nous, et on peut pas mourir dans la misère? What is God doing? When in our own homeland, people are dying of misery, of hunger. People are being kidnapped every day. What is God doing when we have a pandemic, a virus that is killing so many people in our community, in our world? America has reached almost 1 million deaths as a result of COVID-19. L'autre jour, il y a des statistiques là. CDC, il y a des statistiques là. Près de 1 million de monde. 900 000 et quelques monde déjà mouru. 900 000. L'homme de monde a parlé et a dit, oh, le virus ça n'a pas existé. Mes amis. Almost 1 million people died. There is no joke about that. What is God doing? It's a legitimate question. C'est une question légitime que Nexa lui pose théologien ça. Mais théologien pour répondre ni question. Il dit mais mon cher. Ou pose une question qui ça bon Dieu a réglé dans le ciel là. Mais ça qui a passé là aujourd'hui. Bon Dieu te guettant, voyez solution pour nous avec. Qui solution? C'est que Jésus souffrit, lui mourit et lui levait bien vivant. Bon Dieu vini dans l'histoire nous, sauf dans le péché pour venir sauver nous déjà. God had already done something. He gave his life for us. He came down on earth.
He incarnated himself in our own history, in our own condition, except the sinful condition, so that he could save us. He did it already. Ça pour mon Dieu fait, il déjà fait. Il déjà bon nous, eh bien, la grâce de vie éternelle. He had already given us that. The gift of eternal life. And that's what John 3, verse 16 stated. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God so loved the world that he gave his only Son. For those who believe in him will not perish, but will inherit the gift of eternal life. Jésus vient dans mitan nous. Lui montre nous comment pour nous vivre. Et aujourd'hui, c'est ça, à travers la béatitude de Saint-Luc. Jésus vient apprendre nous comment nous capables résoudre problème ça yo qui a ravagé terre. They are no longer the business of God. They are your business, my business, and our business. You are the hands of Jesus. You are the face of Jesus. You are the eyes of Jesus. You are the heart of Jesus to your brothers and sisters. Look at creation. Bon Dieu, bon nous tout ça nous besoin sous la terre. God already gave us all that we need on earth. Look at the beauty of creation. We got everything we need so that people can live with dignity, so that people can live well. We got everything we need. Tout ça l'humanité besoin, bon Dieu baili. C'est nous-mêmes les hommes qui mal distribué bien bon Dieu au sous terre. C'est nous-mêmes les hommes qui avons exploité l'autre. C'est nous-mêmes les hommes qui manquent vivre dans la charité qui fait monde à souffrir aujourd'hui. We exploiting one another. We destroying one another. We abusing one another. That's the reason why the world is suffering. Don't ask what God is doing in heaven. You should ask yourself, what are you doing today for your brothers and sisters that are dying? That's the question. C'est pas pour demander qui ça bon Dieu a fait dans le ciel là pendant mon a mouri grand goût. C'est pour demander tête ou qui sont fait avec richesse bon Dieu barouyo pendant frère ou action a végété dans la misère. And that's the beatitude today. As you could see today, there is a big difference. There is a shift from the Gospel of Matthew to the Gospel of Luke. Le Jésus de Saint-Luc est différent de Jésus de Matthieu. Matthieu présentait Jésus sur la montagne, sur le mont Sinaï, qui a délivré béatitude à qui est-ce? Aux disciples, aux apôtres. Mais Luc présentait nous Jésus qui bon? Jésus sur Jésus, je dis, c'est dans plein dans lié. Vous comprenez qui différence ça fait? Bon, m'expliquez-nous. Jésus, Matthieu, c'est son mont Nishita. The Jesus of Matthew is on the mountain. And the people are down there. But today, Jesus said, no, I will be with the people who are suffering, the sick, those who are possessed. He come around them. They can touch him. He can touch them. Jésus qui a touché yo et yo qui a touché Jésus. Jésus pas les rester loin yo. Our God is not far from us. He became one among us. That's the difference today. Matthieu dit, heureux, bienheureux, les pauvres en esprit. He refers about the spiritual poverty. Spiritual poverty. Mais qui sache, Jésus, celui qui l'a dit matin,
bienheureux les pauvres. Ça veut dire monde qui pauvre dans l'esprit, spirituellement, et monde qui pauvre matériellement. The ones that are poor in spirit and those who are poor materially. Et je dis à qui ça nous parle. Jésus parle appliquer, la fait application de une doctrine. Et doctrine, ça depuis dans le livre de la Genèse, nous joignons. C'est la plus grande doctrine de l'Église. La doctrine des deux chemins. Il y aurait là en théologie la doctrine des deux chemins. The doctrine of the two ways. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. The way of life and the way of death. Mes doctrines, je dis à Jésus, mettez en application. Pour le capable de traiter la question des béatitudes. Programme la vie, ça. Programme qui va permettre, ou même ensemble avec nous, héritier la vie éternelle. C'est programme, ça, Jésus vient présenter nous aujourd'hui. Comment nous capables d'arriver héritier la vie qui ne peut jamais finir. He made use of that great doctrine. The doctrine of the two ways. The way of life and the way of death. Jésus dit, moun qui allait vers la vie, moun sa yo, c'est dans bon Dieu yo yé. Moun qui dans bon Dieu, yo allait vers la vie. Mais moun qui dans Satan, qui dans l'autre vieux bagaille, yo allait vers la mort. Moun qui a suivi lumière, eh bien, yo dans bon Dieu, mais moun qui a suivi fait noir, yo pas dans bon Dieu. Moun qui l'ouvrit cœur, yo, qui partage avec moun, royaume mon Dieu, c'est pour yo. Mais moun qui a fait chiche avec bien bénédiction mon Dieu, yo chira. Et pas moi qui dis. Je dis, il y a une grande confusion à travers ce beau texte et ce grand texte de l'évangile. Et qui confusion gagne, c'est que je dis à Jésus décanter, eh bien, les bénédictions et les malédictions. Il dit bénédiction pour les gens qui peuvent. Yo. Les pauvres, ils entendent ça, ils ont tout levé, bat bravo. Les gens qui n'ont pas l'argent, les gens qui n'ont pas le caillou, ils ont tombé, bat bravo. Oh, c'est nous qui sauvés. Et pas vrai. That's not what it is. Blessed are the poor, they shall see the kingdom of God. Those who are not materially well seated, they rejoice in such a blessing. But that's not what Jesus implied. Parce que les pauvres, je me tape dit le matin, les pauvres qui arrivent. Vous pouvez rejoindre nos pauvres qui avarent. Vous pouvez rejoindre nos pauvres qui remettent l'argent. Vous pouvez rejoindre nos pauvres eh bien, qui ont l'ambition. Ce sont des dangereux, oui. Moun qui pas gagné, mais qui remet à faire moun. Moun qui pas gagné, qui raille moun. Moun qui pas gagné, qui pas contenté avec sa bon Dieu bayo. Gen moun sa yo. Ça veut dire même pauvre là, capable de mauvais sentiments. Je dis à Jésus, dit m'a dit chaud pour riche yo. Curse to the rich. They who have already their own consolation. What does Jesus mean? He's not trying to attack the rich people, the wealthy ones. No. Jesus values the efforts of human beings. Because there are people who work hard for what they have. There are people who did work hard for what they have today. Je ne suis pas contre la richesse, non. Je ne suis pas dit que mon riche, yo tout pral dans l'enfer. Ce n'est pas ça la petite aujourd'hui. Because he had friends who were wealthy. Matthew, Zacchaeus, Martha and Mary, they were wealthy people. Joseph of Arimathea, they were wealthy people. Jésus était un ami qui était l'argent, qui était riche, qui était bien avec eux. Là, il y a Matthieu, Sila, de tax collector. Là, il y a Zachée, eh bien, il mangeait avec Zachée, il était bien avec eux. Là, il y a Marie avec Matt, bien souvent, nous, dans la route sous Jérusalem, il passait la caille, mon saïo, il était bien avec eux tout. Nous, Joseph d'Arimathie, c'est lui-même qui baille ton bol pour enterrer Jésus. Jésus, par contre, mon riche, non. That's not what we are talking about.
What Jesus is referring to is those are the people who are addicted to wealth. They are people who are addicted to wealth. Ki moun ki addicté à bien la terre. Ki moun ki addicté avec richesse. Moun nan ki met 50 paires souliers, li ou l'autre pa gon soulier nan piel, li pa retire youn pou le bay moun nan mette nan piel. Ki moun kon sa? Je dis à des mouns qui mettent des millions sous terre, li wè l'autre moun bon côté, a mouri nan grand coup, li pa bayo. Matin m'di grand pile d'eau qui est fait sous terre, hein? Grand pile d'eau qui est fait. Ki moun ki met gen l'argent nan poche li, on houm les mande l'en bas pour an, li pa retire 5 ans pour le bali. We have people like this. Who do not know how to share with others. We know people in this world who are very selfish, who are attached to wealth. Yo toujou ap pran nan men moun, moun pa jwenn anye nan men yo. Tabou Kombo fon bel chante, choubou chante. Li pa janm tro bon pou genyen, pou genyen. Si so genyen, pa fè du bien avèk li. Li pa janm tro bon pou genyen, pou genyen. Si so genyen, ou pa fè du bien avèk. It is not always good to have. If what you have, you cannot share with other people. Moun nan ki pla manje a la, nou pa konn wè, nan Miami moun kap serre manje pou moun. Moun kap fè moun mauvais jan pou moun so manje. Nou pa konn wè sa, ou kote moun ap jete manje, oui. Moun nan ki ti manje a, la joure moun ki pa travay nan kay la, imigran ki vin la kay li an, fami ki la kay li an, la fè lout pou moun so manje. C'est ça que je dis à Jésus Abdi. Malheur à vous-même qui vivez dans l'esprit ça, qui attaché à bien la terre, qui pas partager avec monde qui n'a besoin ou déjà joindre consolation dans ciel là. Parce que ciel là pas piaille, pas qui voler, pas qui entrer, c'est redi à le travail, fait ça bon Dieu mandé pour nous faire. Et c'est pour être ça je dis à. L'important pour nous capable comprendre. Li di bienheureux moun ki pauv yo, moun ki pa genyen yo, moun ki mize la vie yo sou bon Dieu, moun ki mize la vie yo sou providence li an. Bon Dieu a levé yo a terre, bon Dieu gon place spéciale nan cœur yo. Les pauvres, les malades, eh bien, yo gen priorité nan cœur bon Dieu. That's very true. The sick, the lowly, they have a priority in the heart of God. Bon Dieu qui est que sensible pour moun, jodi a ki pa gagne rien. Y a soit mouen on bagay, il fait mal. On passe à chon bagay en côté, et puis mon nègou me laisse pour diable. Kap ramasse plusieurs petits cartons. Et ça fait me penser avec l'évangile là. On klaxonne, me font geste avec. Mais il fait mal. Je dis aller nous garder combien de monde qui a dormi dans la rue. Ce nous pas réaliser qui bénédiction. Bon Dieu ferme, bon Dieu ferme, bon Dieu ferme nous tous. Qui je dis à gon rousse sous quatre noms. Parfois on a plié. Nous pas réaliser ça, bon Dieu fait pour nous. Je dis à gon l'autre qui pas gagne côté pour le dormir. Gon l'autre qui pas gagne rien pour le manger. Je dis dans le pays d'Haïti, pendant que je t'ai mangé, gon moun qui a pral dormi sous pauvre. That's what Jesus is referring to. The need for us not to let eh bien, wealth destroy our souls. Because je dis à Jésus, dis-nous, la richesse est incapable de nous procurer le salut éternel. La richesse est incapable de nous procurer le salut éternel. Wealth is not able to guarantee us the gift of eternal life. Parce que so gagné jodia, li la pou jodia, mon pa konn ki l'Europe mouri. Les Jésus rencontré ak nèg riche là, li te joure, li di imbécile, idiot. Ou gen richesse jodia, ou marcher faire vantard, ou font paquet intéressant.
Assoué à même moi pour mourir. Et richesse sont gagnées, ça pral jouer, les ingrats pral jouer. Les ingrats pral jouer. Et dans la première lecture, là, in the first reading, Jeremiah is admonishing us to stay away from the wealth of this earth. Jeremiah said, those who are attached to the wealth of this earth, they are going to live a very stagnant life. They are going to suffer. Ils vivent une vie stérile, une vie qui bat la vie, une vie qui bat un cœur content, une vie qui bat un cœur posé. Mais si ou apprend recette pour Dieu, bah, ouah, recette ça que bah, à travers les béatitudes, pour partager avec l'autre monde, pour bailler bon Dieu première place dans la vie, pour accrocher avec la foi dans bon Dieu, eh bien, ou ap héritier une vie qui est infaillible, une vie qui est heureuse, une vie qui est fructueuse, une vie qui est authentique, une vie qui gagne la vie là-dedans. If you give your life to the Lord, if you follow the teaching of Jesus through the Beatitudes this morning, you will inherit the gift of happiness. You will inherit the gift of eternal life. Your life will be fruitful. You will have a happy life, an authentic life, a life with life. Mais si c'est sous bien la terre accrochée, mise au fait commencer. Last night I watched a very interesting documentary, and I'm recommending that documentary to all of you. It's a must-watch documentary on Netflix. The Tinder Swindler. The Tinder Swindler. Mesdames, et pour nous, all the ladies, that documentary is for you. The Tinder Swindler. Comment une série de mesdames qui ont cherché bon jeune gens? The swindler is like a dating app where women are looking for the right man, the GQ, the billionaire, the man with money, the good looking, the handsome guy. And those guys, they are a bunch of thieves. The Tinder swindler. Parfois, on a cherché cœur content quand t'es cœur content payé. We look for happiness where happiness is not. Il y a montré comment les mouns attachés avec richesse, les mouns des plaisirs la terre, les mouns des façades, pour y'a capable, eh bien, faire que moun content, pour y'a capable tromper tête, y'a baille tête, y'a menti, qui s'acrivé, yo, laisser à bien la terre, à honneur, à titre, à apparence ou accroché, il y a tout. On dit ça. Depuis ces des soyez, wap totot. Yap tototou. Yap prijo sous terre, hein? Depuis ces gloire wap chercher dans mes moun. Depuis ces honneur wap chercher dans mes moun. Depuis ces bon jeune gens, chiki wap marche chercher, au lieu de chercher un nek qui remou. Garçon fait carré tototou. Garçon fait carré tototou. Grand moun kanay, kap chercher jeune garçon. Jeune garçon qui pour bayo bon plaisir, hein? Rien ça, oui, bon plaisir. Jeune garçon qui pour faire cœur content. Jeune garçon pour y marcher avec yo. Grand monde canaille qui pas grand rien pour y régler, qui besoin soin jeune garçon. Jeune garçon a tout. On dit ça. C'est ça lié. Nous mettre grillé dans c'est ça lié. C'est ça Jésus a dit nous. Depuis ces vieux plaisirs n'a cherché, y a tout. The Tinder swindler is that. Fille qui a marché chercher GQ online. Ou pas vraiment, on est ou pas qu'on est, mes amis. Vous connaissez chat dans sac. Ou a marché chercher net tout partout. Et c'est pas seulement garçon, non. Des grands mondes qu'on a. Conseil de grands pas qui a marché chercher jeune femme. Ou oblige à l'envahir à gloire qu'après tes corps. Jeune femme a tout yo. Jeune femme a pété fier lou. Eh bien, l'important pour apprendre, vive avec moun, mon Dieu, bah ou. Vive avec moun, mon Dieu, bah. Grand monde a pété fier lou à cœur. Grand monde ou gagne dans mon lan content avec elle. Parce que, sortez fin jouir, ou fin jouir.
Bon moment qui arrive, c'est mettre des rochita. Mettre des rochita en côté. Enjoy madame, enjoy Mario, enjoy la vie. Ou pas obligé à chercher plaisir côté plaisir pas. Parce que ça, bon Dieu, bah, ouah, il y a une limite là-dedans. Soit le forcer, lui. Mon cher, il y a joué nous dans la cabane, non? Il y a joué nous dans la cabane. Et c'est ça, je dis, hein, Jésus vient de dire, non? Là, nous avons marché accroché nous avec bien la terre, pour tout faire, nous. Ce qui est important, c'est bah, Jésus. Première place dans la vie, non. If you have Jesus in your life, you have it all. Car le bonheur n'a qu'un nom et le bonheur n'a qu'un visage, c'est Jésus-Christ. Happiness has only one name and one face, it is Jesus Christ. Et je dis, c'est ça. Nous venons demander nous pour nous capables d'accrocher nous. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, là, dit nous, la résurrection du Christ est la garantie de la nôtre. La résurrection du Christ, c'est ça. Qui va nous garantir l'homme mourir ou capable de lever bien vivant? Si vous avez la foi dans Jésus-Christ, eh bien, vous avez bonheur éternel là. Les Corinthiens, imprégnés de la mentalité grecque, ils ont méprisé le corps et ils ont douté la résurrection du Christ. Je dis à Paul après appelé que Jésus mourit, les souffrir et lever bien vivant. Moun qui accroché dans Jésus-Christ, l'a hérité la vie éternelle. If you lean on Jesus, you shall inherit the gift of eternal life. Et c'est pour être ça, je dis à Mando ça. À ce sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C, à travers les béatitudes de Saint-Luc, de Jésus, entrer dans la philosophie Jésus. Embrasser la vie. Vivre avec la foi. Vivre avec ça, mon Dieu, bah. Si mon Dieu ben nous bien, si mon Dieu ben pile talent, partagez-le. Mettez-le dans le service, mon Dieu. Pas quitter richesse tout fait. Partagez son gain. Le partagez ou jouez une bénédiction la paix. Le partagez ou jouez une bénédiction cœur posé. Le partagez, ben Dieu béni petit tout. Le partagez richesse, bon Dieu baou, pigou richesse là, c'est cœur content à cœur posé. Et c'est pour être ça, je dis, nous laguer quoi nous